C'est des métiers très intéressants. Maintenant, dur, dur parce que, vous avez vu, il y a les échafaudages. L'hiver, il faut monter dessus avec des pierres. Pas évident. Alors, bien sûr, c'est un métier ravissant, la taille de pierre. Parce que c'était les constructeurs de cathédrales à l'époque. Donc on peut dire que pour vous, le symbole de la pierre, c'est les cathédrales, c'est les grands bâtisseurs. Ah oui, c'est le poids de la pierre. Ah oui, le poids de la pierre. C'est un métier, la pierre, les tailleurs de pierre. Ils connaissaient les structures du bâtiment, ils connaissaient un tas de choses qu'on connaît plus ou moins maintenant. Les tailleurs de pierre, il faut qu'ils fassent copie conforme aussi. Ils enlèvent une pierre usée à l'intérieur et elle remplace exactement la même. Le gel faisait éclater la pierre. Tous les châteaux, à part les soubassements, sont faits en pierre tendre, mais demi-dure. Alors des fois, il y avait les outils, les gradines qui s'appelaient ça, les machins, les petits ciseaux à dents, où on faisait des petits dessins sur la pierre, enfin des rayures. Tout ça, ben, c'était pareil. Il fallait quand même avoir le coup. Alors les morceaux il y avait des morceaux de pierre qu'il fallait faire, que des, je sais pas, une corniche, ouais, qu'il y en a qui n'étaient pas capables de faire, ou moins bien de le faire. Il y avait une solidarité quand même. Vous disiez, on l'a vu à Chambord, sur les balustrades, que ça ne pouvait pas se faire à la machine. Ah oui, parce qu'il y a. C'est-à-dire que ça, on peut le faire à la machine, mais s'il y a un arrêt derrière, s'il y a une plaque derrière, on ne peut pas. Alors donc, on est obligé de faire ça à la main. Et c'est dur aussi parce qu'ils disaient que les sculpteurs, que des fois ils étaient à je ne sais pas combien de mètres en haut, en plein vent, l'hiver, et c'était dur aussi. Le problème du tailleur de pierre, ou du sculpteur, je veux dire, d'autres métiers, c'est de se dépasser lui-même. Puis en plus, à Chambord, je crois que ça ne doit plus exister. Mais il y avait un forgeron à tenir. Parce qu'aussitôt qu'il y avait un outil qui était usé, il menait au forgeron pour le faire remplacer, pour faire un autre. Puis alors à midi, on ne rentrait pas à la maison, on restait sur place, on emmenait sa gamelle. Alors après, on faisait une petite partie de poule entre nous pour. Non, c'est. Une bonne ambiance. C'était une bonne ambiance, oui. Et quand même, c'était chic, tout ça. Les ouvriers manuels sont chics en principe. Dans les fossés, ça arrive, on jette des pierres dans des fossés au bord de la route. Alors, c'est ce que j'ai fait. Tout d'un coup, je vois une belle pierre qui faisait au moins 300 kilos qui était là, presque dans le fossé. Ben, je dis, tiens, on a acheté cette pierre-là. Je me suis pas été raisonné plus loin, moi. Bon, je dis, ben, moi, je vais aller chercher mon outil, puis je vais me l'approprier. Je vais la travailler sur place, parce que je pouvais pas la déplacer, elle était trop loin. Alors, je commence à cogner, j'ai déjà arrivé aux trois quarts, tout d'un coup, il y a monsieur qui arrive. Il me dit, qu'est-ce que vous faites à ma pierre? Je dis, parce que c'était votre pierre? Ben, dit oui, je l'avais laissé là, je comptais la rentrer, mais j'ai pas eu le temps, je sais pas quoi. Il voulait s'en servir pour, comme socle pour mettre sous
une statue en plâtre qu'il avait achetée. Ah, alors comment faire? Si elle est presque finie, elle est aux trois quarts faite en tout cas. Alors voilà, soit j'achète la pierre, moi, puis je me la garde, ou alors je vous la finis, puis je vous la laisse. Il m'a dit, la deuxième solution, il m'a laissé finir ma pierre en voulant la garder. Et puis comme j'étais dehors, que le temps n'était pas sûr, il m'a dit, rentrez chez moi, j'ai un kiosque à musique là qui s'était fait, vous allez vous mettre là pour finir cette pierre. C'est ce que j'ai fait, on est devenus amis, il m'a dit qu'il faisait de la peinture, tout ça. Et alors l'année suivante, il m'a acheté une pierre. Et l'année suivante encore, elle était de plus en plus grosse. C'est bien qu'on a été voir une usine qui était pas loin, pour acheter une pierre qui faisait 5 tonnes. Et il voulait bien me l'acheter. Si c'était une occasion unique pour moi. Bon, après tout, ce qu'il me cherchait à faire, c'était faire la pierre, puis le reste, on m'en fichait. Qu'il la garde ou qu'elle la garde pas. Quel était le sujet de la pierre? Qu'est-ce que vous aviez commencé? Alors, il me laissait faire. Oui. Alors, moi, je faisais du religieux pas mal. Oui. La première pierre que j'ai faite, une Pietà, bon, 300 kilos. Et alors, avec le restant des autres pierres, les petits morceaux de pierre qui restaient, parce que j'ai dit, on ne va pas laisser ça perdre, donc j'en ai fait une fontaine. Et votre contact avec la matière, la pierre elle-même, que vous ressentez? Où j'ai sué le plus, c'est à faire les pattes du cheval, parce que les sabots là, j'étais à plat ventre moi pour faire ça, à plat ventre. Hein. Et puis il m'avait mis à l'abri, heureusement.